vois qu'ici c'est tes limites quand même. Alors si personne n'est mort, tout va bien, mais je suis bête. Les morts, ils ne parlent pas. Les morts, ils s'envolent au-dessus de nous. Et ils nous regardent courir partout comme des poulets sans tête. Perdus dans nos pensées, perdus dans nos carrières, perdus dans tout ce qu'on nous fait croire. À la télé, dans les médias, tout ce qu'on nous fait croire. À Matignon, quand on nous fait croire que cette idée que le bonheur ce sera plus tard, quand on sera plus grand, quand on sera plus riche, quand on aura acheté cette belle maison, quand on aura acheté cette nouvelle voiture, quand on aura bien tout consommé, quand on aura bien tout exploité, quand on sera entre nous, entre Français, cette étrange idée que le bonheur, à ce moment-là, il sera là et que tout prendra un sens. C'est une étrange idée, tu crois encore à ça? Moi je te le dis, Emre, pour chacun pour ce soir, le bonheur il n'est pas plus tard, il n'est pas plus loin, il est ici et maintenant, mon ami, dans ce magnifique environnement. Ce magnifique environnement, ce moment présent, ça c'est le plus important. Le moment présent et l'environnement. Je vois, il y a plein de gosses ici. Il y a plein de gosses. Hello baby, hello darling. Ils ont de la chance, ces enfants, d'avoir des parents qui les emmènent voir des concerts un peu étranges. Voir FFF. Voir FFF. Mais ces enfants, surtout, hello baby, ils auront de la chance si leurs parents leur répètent toujours la même chose tous les jours. Leur répètent que le bonheur, ça s'achète pas dans les supermarchés ou sur internet, le bonheur. On n'achète pas le bonheur. On n'achète pas la vie, on ne possède pas la vie, on ne possède pas la planète, on ne possède pas les animaux, on ne possède pas les gens. La vie, c'est cet immense complexe qui nous héberge à titre gratuit et qui nous a tout donné et qui, pour la première fois, est en danger. Cette vie est en danger pour la première fois à cause de nous. C'est ça que ces gosses doivent entendre de la bouche de leurs parents chaque jour, ok? Chaque jour, ils doivent entendre que les adultes que nous sommes, les adultes que nous sommes, on doit comprendre que le bonheur, ce ne sera jamais nos carrières, le bonheur. Le bonheur, ce ne sera jamais être le meilleur à l'école. Ce ne sera jamais être le plus beau, le plus riche, le plus célèbre. Ce ne sera jamais ça, le bonheur. Le bonheur, c'est uniquement le fait que nous sommes quelques êtres vivants au milieu du vivant. Sur une magnifique planète. Voilà ce que ces gosses doivent entendre de la bouche de leurs parents chaque jour. Ok, baby? Ah, tu l'aimes, cette planète? Est-ce qu'elle est aussi belle que Monsieur Steve? Regardez comme il est beau, celui-là. Avec son piano. Son grand piano. Et surtout, grande, Corona.
entertain.